Oh Marie, mais... Oui. Enveloppez-moi d'une couverture oh, aux algues, je oui. vous en conjure. Oh, oui, un bain de boue peut-être. Oui, oui. Je pensais jamais prononcer le mot thalasso dans cette émission. Moi, j'étais plutôt problème de sommeil, comment les coucher, limiter le temps d'écran. Et non, regardez, Lorraine a emballé, enjolivé ma journée. Emballé ma journée, n'importe quoi. Coucou Marie, j'aimerais offrir un moment détente et bien-être à mon bébé. Où est-ce que tu m'emmènerais? La mission of the day. À la bibliothèque. Ah non. Bon moment de détente. Dans le métro. Oh non. À l'île Maurice. Allez, je vous emmène. Allez, Lorraine. Non, alors, j'ai farfouillé un petit peu parce qu'on sait qu'il existe quand même peu de moments de détente pour les tout petits, mais que c'est un moment propice pour proposer ce qu'on appelle des thalassos bébés. J'ai été chez Anaël, donc qui a une petite parenthèse, une petite bulle enchantée. Nous avons baissé le son avec Charlotte Finet. Nous avons assisté à ce bain. Vous allez voir. Ah, excusez-moi, c'est bien ici la thalasso. Oh! Alors Bruno et Lorraine, je vous ai emmené avec Luca chez ma bulle enchantée vous proposer un bain pour les tout petits. Le but, c'est de, à travers justement l'enveloppement par le linge, de pouvoir recréer les sensations intra-utérines et ça lui permettre une détente profonde. Et alors là, vous avez demandé à Lorraine de ramener du lait maternel. Oui, le lait maternel a de nombreuses vertus. C'est très hydratant. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça les rassure beaucoup. Alors, c'est l'heure du bain pour Lucas. Chut, on va les laisser tranquilles. Voilà, ça y est, Lucas. C'est parti. Voilà, tout doucement, on rentre. On rentre, Lucas, voilà. Ton moment. Voilà, tu peux fermer les yeux. C'est toi qui me guides, Luca, d'accord? Très bien, Luca. Regarde, là, t'es dans ta bulle, Luca. Comme dans le ventre. Voilà, t'as ton petit massage. Ça fait du bien. Voilà, tu peux t'accrocher à moi, je suis là pour ça. Voilà, super. Bravo, Luca, t'es trop fort. C'est parti, je le sors. C'est bon pour vous? Alors, je viens de débriefer avec vous ce bain. Comment vous avez vécu ce moment? J'ai trouvé ça génial, il avait l'air très apaisé. Et c'était, moi, j'ai eu une petite émotion, en tout cas, quand je l'ai vu tout calme. Ouais, c'était super émouvant, ouais. J'ai adoré. Ils se retrouvent vraiment dans leur bulle. C'est les sensations où les bruits en fait sont feutrés, où il n'y a plus rien qui existe autour en fait. Le moment auquel on vient d'assister, c'est un moment qui n'est pas du change, qui n'est pas de l'alimentation. C'est un petit luxe pour son bébé. Rien ne vous empêche en fait de donner un bain spa à votre bébé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé tout le temps de le faire de façon hygiénique, on va dire. Bon, bah là, je crois qu'on voit que Luca est parfaitement détendu. Ça vous dirait plutôt de vous faire une petite thalasso par an maintenant? Avec plaisir. J'ai même plus envie de parler quand je vois ça. C'est tellement mignon. Petite chiale. C'est génial pour les bébés c'est parce qu'ils retrouvent en fait le milieu. Intra-utérin. In-utéro, comme In-utéro. Vous aimez à le dire. Ah oui. Non, c'est vrai, pourtant, ce n'était pas mon enfant, mais c'était très, très émouvant. Voilà, de voir justement que tout en douceur, on arrive à apporter un moment où le bébé s'abandonne complètement. Et là, Luca, voilà, on a vu qu'à peine plongé dans l'eau, alors en plus, il y a le lait maternel qui est ajouté, la maman avait pu en tirer un petit peu. Donc, il est vraiment très apaisé, il est dans un environnement qu'il connaît. Et il n'y a pas eu de moment, même quand on l'a sorti de l'eau, il était. Voilà, c'est alors, très très bien le bébé oui, qui sort de l'eau. Donc entraînement. Refaites-le parce que je crois qu'on l'a pas vu. Voilà, merci beaucoup. Très mignon. Donc évidemment, on va pas se dire qu'on va faire une thalasso bébé tous les jours, mais on peut faire des bains très doux comme ça, comme le disait Annelle, on n'est pas obligé d'être dans l'hygiène de manière systématique. Sauf que moi, le bain de bébé, c'est ma passion. Donc en dernière partie d'émission, je vous ai fait un petit shopping in the bathroom. Voilà, pour faire la thalasso à la maison. Tout merci beaucoup.